Yo les jeunes! On est de retour! Une autre édition d'Entre deux collections, le show où on se montre nos collections qu'on a achetées dernière semaine, dernier mois, même année, sur YouTube. 20. Épisode 20, ouais. Fait que on est là pour se montrer d'autres affaires de nos collections séparées. Fait que je sais que toi, t'avais très hâte de me montrer tes affaires que tu voulais montrer au podcast aujourd'hui. Ben, pas au tant show. Que ça. Pas tant que ça, bon, ok. Ben moi, je commence à manquer d'idées, là, aussi, là, pour montrer, parce que, veux pas, j'ai beaucoup d'affaires. Que j'ai en ce moment, c'est pas en plus des VHS, là. À part faire les VHS spotlight de la semaine, je sais plus quoi faire, là. Fait qu'on va voir. Mais, cette semaine, je suis prêt avec un objet de collection que je me suis acheté il y a pas longtemps. Puis le fait, c'est que t'étais là quand je l'ai acheté, en plus. Ah ouais? Ben oui! C'est The Official! Ah, ben voilà. Ok, tout le monde. Excuse. C'est correct, t'as le droit. C'est le Official WrestleMania Pin Collection. Ah ouais, j'étais surtout là quand t'as essayé de mettre les pins. Ouais, puis c'était tout un struggle, hein, faire ça. Ouais. Mais le résultat est beau, là. Il y a une coupe qui sont tournées de bord, là. Je sais pas pourquoi, là. Mais ça s'ouvre comme ceci, ici. Ouais, c'est vraiment beau. En vrai, moi, je l'ai vu, puis c'est beau. Ouais, c'est beau. Essayez de placer celles qui sont croches, pour le fait. C'est beau! Pour le bien vidéo, ouais. Beau! Voilà. Ici, on a les galas de pay-per-view, les WrestleMania qui sont ici. Puis en haut, on a les pins. C'est beau. Fun de voir les vieux logos, hein? Ouais. C'est, dans le fond, c'est comme des genres de mini-ceintures, si on veut, avec les... c'est dur à cause qu'il y a beaucoup de... Il y a du flair. Il y a du flair, il y a du thing, oui. Il y a du... Mais non, ça, fait que c'est ça, les WrestleMania de 1 à 21. Ouais. Avec les petits pins commémoratives, de genre de title belt là, en macaron, si on veut. Fait que c'est très beau, c'est nice. C'est un struggle de le faire au complet. Là. Puis des fois, ils ont tendance à bouger un petit peu parce que c'est pas tout le temps solide. Mais ben, réussi là, à la fin, c'est super beau. Fait que je me suis procuré ça récemment. Puis je trouve ça très beau. C'est dans mon coin de chambre là, où il y a mes magazines. Puis c'est un très beau complément à ma collection. Et j'ai-tu droit de dire où est-ce qu'on l'a acheté ou non? Pas tout de suite, pay up. Fait que voilà, ma Official WrestleMania Collection. C'est quand même ça. Hein? C'est ça pareil. Là, pendant que j'essaie d'ouvrir, pré-ouvrir quelque chose. Oui. Il y a moins un qui a marché. Bref, on va aller l'autre bord. Attends un peu. On y va. On y va peut-être. On y va-tu? Finalement, il n'y aura peut-être pas. Ouais. Ah, voilà, la technologie, hein, c'est un mystère des fois. Mystère et boule de gomme. Il n'y aura rien de révolutionnaire, d'extraordinaire que vous avez jamais vu, mais moi, j'étais bien content de mes achats. Donc, en premier lieu, je dis deux parce que je sais que TJ aime beaucoup ça quand j'ouvre des cartes. Donc, on va ouvrir des cartes après. TJ, il aime ça, peu importe c'est quoi les cartes, il aime ça. On ne sait jamais c'est quoi. Tu peux pas des affaires de super rares qui vont coûter tu vas pouvoir vendre pour $1 million chaque, c'est beau. I wish. J'étais de passage à Belleuil la 2 semaines et je suis arrêté dans un GameStop parce que à chaque fois qu'il y a un magasin, j'arrête, évidemment. Mm-hmm. Puis j'ai mis la main sur une figurine que je pensais pas voir au Canada, du moins pas dans notre coin, avoir un bon petit bout. C'est AEW, Cœur de Lion, Chris Jericho. Donc, la... Belle chevelure. La figurine de ses débuts, si on veut. Corazon de Lion. Ouais, exact. Donc, l'édition Série 4 Unmatched Collection, t'avais CM Punk, Hangman Page, Jade Cargill, Cody Rhodes, MJF et Chris Jericho. Tout du monde qui sont quasiment rendus à WWE. Il y en a juste deux là-dedans qui sont encore là, techniquement, tu sais. Exact. Non, toi. C'est ça. Fait que Chris Jericho, c'est cool. C'est une figurine très, très, très cool que j'aime bien. Ouais, il est très beau, le bonhomme. Il est bien fait. Puis c'est fun. Ouais. Je trouve ça cool qu'ils prennent des vieilles gimmicks de lutteurs, des fois, pour faire des figurines. Parce que c'est le fun d'avoir actuellement qu'est-ce qu'ils portent. Mais c'est fun, des fois, d'avoir des flashbacks de même là, pour certains lutteurs. C'est cool. Ça fait changement. Puis. Ça fait longtemps que j'avais pas acheté d'AEW parce qu'il n'y avait pas vraiment de. Ben, il y avait Wardlow, je peux le dire. Mais... Ben, à force de se promener, c'est souvent les mêmes qui ressortent. Fait que c'est pas... Ouais, c'est souvent les mêmes qui ressortent. Puis, pendant que j'essaie d'ouvrir mon paquet de cartes. Ouais. Puis,
C'est ça. Fait que je me suis dit, celle-là, ben, peut-être que je ne vais pas la revoir avoir un méchant en bout. Fait qu'on va, on va l'attraper au vol. Parlant d'attraper au vol. Aha. Oh! Non, qui se passe. Le bâton est parti. C'est toute une édition dans deux collections. Ouais, ouais. Plus qu'on pensait okay. que ça pourrait être. On va rester dans le thème. On va couper ça mon temps. On va rester dans le thème AEW. Donc, un paquet okay. de cartes AEW. Metal Universe 2022. On voit que le paquet est ouvert à l'instant. Donc, je vais vous présenter les cartes que je vais découvrir en même temps que vous autres parce que je ne les ai pas vues. Fait que le premier. Alex Reynolds! Oh! Très belle carte que je pense pas que je vais vendre un million. Non, mais, il te manque un petit peu d'argent pour prendre un million avec lui, je pense. Alex Reynolds, il a toutes les informations. Il vient de Long Island, New York, qui est bien fin. Ouais. Oh! Il parle anglais. Dragon! Non, il parle anglais. Brian Danielson! Oh, wow! Belle carte. Donc, très belle carte. C'est genre holographique un peu? Ou c'est ouais, juste, un peu, c'est hologramme. Là, fait que, OK, nice. Ils ont pas leur pouvoir de Pokémon, mais quand même. Non. Le premier athlète, Tony Nese. Ouais, disons voilà. qu'à date, le paquet, à part Danielson. Oh! Et là... Ça, c'est une carte, ça s'appelle Bonzo Gonzo. C'est Luchasaurus. Oh, elle est belle. Ouais, Bonzo Gonzo. Fait que ça, c'est un moment, je pense, si je ne me trompe pas. Le 13 avril 2002, Jurassic Express a battu Red Dragon à Dynamite. En 2002, wow! Ouais, exact. C'est fou, hein? En 2002, t'as dit. 2022, excusez. Ah, j'ai compris. Je sais pas. Okay. Oh, ça, je n'étais pas sûr si c'était... Scorpio Sky. Ah oui, Scorpio Sky. Jinder Mahal, il ressemble un petit peu. Ouais, vite fait. Vite, là. Pour côté talent, ouais. En tout cas, on sait très bien que Jinder Mahal est beaucoup plus talentueux. Et Rio. Ah! Ouais, j'avais te posé ça, c'était sûr, certain. L'ancienne two-time champion AEW. Mais c'était la première, non? La première, puis elle l'a gagnée il y a pas longtemps aussi, puis avant de leur perdre contre Paige à All-In. Non, là, tu te trompes avec Karushida. Même affaire. Non, ça va faire pas à tout. Et c'est raciste. La pionnière de la AEW, Dr. Britt Baker, DMD. C'est pas Britt Baker, J-O-B, non? C'est pas ça? Pourquoi J-O-B? Ah, Jobber? Ouais. Ben, c'est correct. Chacun son temps. Elle mérite ce qu'elle a. Ouais. Dire que Manis, c'était ta préférée de tout le monde, hein? On passe au prochain! Comment tu tournes le doigt à tes préférés facilement? T'as pas de preuve de ça, on reste en 2022. oui! Trading Card WWE cette fois-là. Ah! L'édition début. Ouais, ça, moins belle cool. d'abord. Avec Sasha Banks puis Baylor dessus. C'est des collants ou c'est des cartes? Parce que d'habitude, Panini, c'est des collants qui font d'habitude Panini. Ah, peut-être c'est des collants. Même moi, Panini, c'est plus des sandwichs d'habitude. Là, mais... Ouais. L'habitude Panini, c'est des collants, je pense. Non, c'est des... Ah ouais? Des cartes? C'est des cartes. OK. T'as l'air sûr. T'as l'air sûr, c'est effrayant. Jey Uso. Oh! Donc, très belle carte, Jey Uso. Ouais. Avec, check en arrière, c'est quand même cool, SmackDown. C'est beau, mais en même temps, c'est simple. Ouais, mais là, c'est ça. Ben, c'est correct, là, c'est pas... En parlant de gars qui est pas simple, Matt Riddle avec sa trottinette... on sait que Matt Riddle est à Raw et qu'il déteste les aéroports. Ouais. La plus belle femme, Trish Stratus. J'aimerais ça qu'elle m'amène dans sa stratosphère. Ouais. Légende. Et, parlant de légende, dans le temps qu'il était beau, Shawn Michaels. J'allais dire Shawn Michaels en plus. All right. Elle est belle, ce carte-là. Si je toi, là, je prendrais une petite affaire de plastique, je le mettrais dedans. Ouais. Et la dernière carte, ben, champion de NXT UK. Oh. Dragunov. Oh, nice. Champions. Ouais, donc NXT UK 2022. Ben, c'est tout. C'est ce qui complète les deux paquets de cartes. C'est toujours le fun. C'est un magasin. C'était-tu à Laval? Ouais, c'était au. Un magasin de AB. Ouais, à Laval, je te montrerai à un moment donné si une journée qu'on va être dans le coin, on ira. Mm-hmm. Il y a des petites cartes. Il y avait des gros paquets à 120$ aussi. Hein. Ouais. Fait que j'ai fait comme moi, je vais attendre. Des gros paquets genre des boîtes, là?
Des boîtes, toi, ouais, des boîtes, moi. Ouais. Oh, ouais, parce qu'il y a un gros paquet. C'est tout. C'est le 20e épisode dans deux collections. Nos découvertes de fait le robot, hein, quand même. Ouais, fait qu'en deux collections, là, on va être bien franc avec vous autres. Là. Ça risque d'être plus aux deux semaines qu'à à chaque semaine. Là. Ça va être aux deux semaines. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. On va des invités aussi, des fois, hein, par contre. Oui, ouais, des fois, pour changer le pace un peu, ça fait du bien. Ah oui. Fait que, on va avoir des invités, puis on va avoir d'autres comme je donne la connexion à nous autres. Fait que toutes les deux semaines sur YouTube, en deux collections. Sinon, j'ai une collection, mais c'est pas de la lutte. Là. C'est quoi ça? C'est un masque. Bon, oui, je sais que c'est un masque, là, mais c'est un masque de quoi, ça? Ça, c'est pas de tes affaires. Voilà, pourquoi c'est le monde d'abord, c'est pas de mes affaires? C'est vrai. Yo les jeunes, à la semaine prochaine!